أندريا حنا كي اونريجستري. ايه عملت لنا الو ولا الو؟ ايه اوكي سي بيان. بون شير سكرين. بونجور دكتور. Bonjour. Donc vous me dites maintenant que si quelqu'un va rentrer, vous faites pour lui accorder. Donc aujourd'hui, on va faire les méthodes de différence finie. Donc c'est le deuxième chapitre, il nous reste 6 heures. Donc il faut entamer ce chapitre-là. Donc ce chapitre-là, en fait, se compose de deux parties, une partie implicite et une partie explicite. Donc, on va commencer par la partie implicite aujourd'hui. OK? Mais tout d'abord, il faut vous donner des notions sur les différences finies. Donc, de quoi il est constitué? Donc, on va faire une introduction générale. On va parler des différences finies, puis la méthode explicite aux différences finies. On va parler de chemin de discrétisation et on va appliquer ça sur l'équation de chaleur unidirectionnelle. Alors, au lieu d'appliquer sur l'équation de chaleur bidirectionnelle, que c'est demandé aussi, j'utilise l'équation d'une onde bidimensionnelle. Donc, je l'applique sur une équation d'une onde bidimensionnelle parce que l'équation de chaleur, c'est une équation parabolique, alors que l'équation d'une onde, c'est une équation elliptique. Il y a de rang carré de psi sur rang de t carré. Équation de chaleur, il y a le rang de t sur rang de petit t. Donc, c'est dérivée première, alors que l'équation du rang, c'est dérivée seconde. OK? Puis après, on va faire une étude de stabilité. Je vais parler de l'erreur de discrétisation. Je vais vous donner l'organigramme et le programme. Mais après, dans l'examen, je vais voir, parce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait de la programmation dans leur cursus universitaire. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Puis après, on va entamer la méthode implicite aux différences finies. On va faire une application sur l'équation de transfert de masse ou bien sur l'équation de transfert de chaleur unidirectionnelle. Je ne sais pas si je vous donne le bidirectionnel parce que je ne sais pas si j'aurai le temps à faire ça. Puis je veux faire une étude de convergence et erreur de discrétisation. Je vais donner l'organigramme et le programme. Et comme ça, on termine ce chapitre-là. OK? Donc, en introduction générale, la discrétisation de la méthode de différence finie, qui est une méthode numérique basée sur les formules élémentaires de différenciation, est utilisée pour transformer les équations aux dérivées partielles. Je vois une équation de dérivées partielles, tout ce qui est dt sur dx, dt sur dy, d carré de t sur de u, d carré de u sur dx carré, etc. T carré de psi sur de t carré. Ces équations aux dérivées partielles, on les trouve dans plusieurs phénomènes physiques et biologiques, chimiques, médecine, etc. Donc, on les trouve partout. Donc, on discrétise ces équations afin qu'elles soient compréhensibles par l'ordinateur. Pourquoi? Parce que dans le chapitre précédent, on a fait le modèle mathématique. Mahek? Maintenant, le modèle mathématique, on a complété le modèle mathématique de conditions initiales. On a complété le modèle mathématique par des conditions initiales et des conditions aux limites. Puis après, on a dit, si nous ne sommes pas variable, qui sont faciles, par exemple si je travaille avec les coordonnées sphériques ou bien coordonnées cylindriques, je dois passer à des coordonnées cartésiennes, donc je dois effectuer des changements de variables. Et parfois, je dois linéariser mes équations. Okay? Dans ce cas-là, les équations et les conditions initiales aux limites seront mises dans les variables réclamées, donc, et le modèle est complet maintenant avec le changement de variables. Si je veux généraliser ces équations, je dois faire de changements de variables afin d'apparaître les nombres additionnels. Et comme ça, j'applique les changements de variables à notre modèle mathématique, une équation, bien plusieurs équations couplées ensemble, et aux conditions initiales et aux limites, et j'écris mes équations et les conditions initiales et aux limites
avec le changement de variable, avec la dimensionnalisation demandée. Et comme ça, j'obtiens un modèle complet adimensionnel. Maintenant, le modèle, il n'est pas compréhensible par l'ordinateur. Donc, il faut le résoudre. Mahek. Donc, pour le résoudre, il faut utiliser des méthodes numériques. Les méthodes numériques sont connues. Ou bien les méthodes de différence finie, ou bien la méthode de volume fini, ou bien la méthode des éléments finis, je ne vous le donne pas, mais je l'applique sur Compson Multiphysics. Parce que Compson Multiphysics utilise les volumes finis et utilise en majorité les éléments finis. Comme ça, je peux vous donner des simulateurs qui font ça. Ma fond, pour cela, donc, en discrétisant ces équations, si je discrétise l'équation de chaleur, je peux programmer cette équation et tirer l'évolution de la température en fonction de X, en fonction du temps, en fonction de Y, etc. Je peux déterminer les isothermes, etc. OK, Heidi, si je résous l'équation de chaleur. Si je résous les équations de Navier-Stokes et de continuité, il y a une U et V. L'équation de Navier-Stokes, elle a une équation U, elle a une équation V en deux dimensions. Mais comme ces deux équations sont grandes, je résous l'équation 1 de Navier-Stokes et j'utilise l'équation de continuité pour tirer V, parce que c'est une équation petite. Ma forme, je suis embarqué. Donc, j'utilise U de Navier-Stokes, puis j'utilise V de la continuité, parce que l'équation de continuité, elle est petite, alors que l'équation de Navier-Stokes est grande. Pour cela, la continuité de Navier-Stokes vient ensemble. Donc, en résolvant, en discrétisant ces équations par la méthode explicite ou bien par la méthode implicite de différence finie, je peux tirer ou bien la variation de la vitesse radiale, ou bien la variation de la vitesse longitudinale, ou bien la variation de la vitesse transversale en trois dimensions. OK? Donc, en tirant UV en fonction de X, en fonction de Y, en fonction du temps, en fonction de θ, etc. Donc, je peux dessiner aussi, je peux tracer aussi les lignes des courants. Les lignes des courants, ce sont aussi des lignes là où le gradient de la vitesse est tangente à ces lignes de courant. Donc, comme ça, les lignes des courants m'indiquent là où il y a des mêmes vitesses. OK? Donc, on peut tracer ces lignes des courants. Pareil, si par exemple, je discrétise l'équation de la fraction massique, j'étire la fraction massique en fonction de X, de Y, de Z, du temps, et je peux tracer les isoconcentrations. OK? Je peux tracer les isoconcentrations dans le domaine. Quoi d'autre? Donc, c'est ça. Donc, on peut tirer la température, les vitesses, les concentrations, etc. Ma forme? Donc, maintenant, on est en train de discrétiser ces équations afin qu'elles soient compréhensibles par l'ordinateur. Donc, parce qu'on sait très bien que l'ordinateur ne permet pas de donner des solutions continues. Il ne peut pas me dire, il ne peut pas me donner des courbes comme ça, c'est-à-dire une courbe continue comme ça de la température, ça c'est la température de X. À chaque point de ligne, il y a une valeur. Non, l'ordinateur, il me donne des points sur des nœuds de calcul. Mais moi, je fais ce lissage, bien sûr, cette interpolation. Je fais cette interpolation, pourquoi? Comme ça, je peux voir des lignes continues. Mais en fait, l'ordinateur ne donne jamais des lignes continues. L'ordinateur est discret. Discret, ça veut dire qu'il donne des valeurs données. Ce n'est pas des valeurs continues. OK? Donc, quand on a un domaine X et Y, ça c'est X et ça c'est Y. Tala'u bala blot tahat minkon. Le blot. Minando blot. Quelqu'un a un blot bilbet? Tala'u le blot, comment il est découpé? Ligne horizontale et ligne verticale. Ces lignes horizontales et ces lignes verticales, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé ce qu'on appelle des nœuds de calcul. Ces nœuds de calcul, c'est comme ça. L'ordinateur, il donne des valeurs à ces nœuds de calcul. À ces nœuds de calcul, il donne l'ordinateur. Il ne peut pas donner des valeurs entre des nœuds. Donc, entre des nœuds, il ne peut pas donner des valeurs. Il donne seulement les valeurs sur des nœuds de calcul. Ma forme?
Pour avoir des valeurs entre les nœuds de calcul, il faut affiner la discrétisation. Il faut affiner, je mets plus de lignes. Comme ça, j'affine la discrétisation. Comme ça, j'ai affiné la discrétisation. Et comme ça, j'ai obtenu des nœuds intermédiaires. OK, voyez, maintenant, le nombre de nœuds a augmenté. Hein, donc, le nombre de mesures a augmenté. Le nombre de calculs est augmenté. N'est-ce pas? Comme ça, on augmente le nombre de calculs. Donc, quand on augmente le nombre de nœuds, ça veut dire que je veux une précision. Je veux une précision. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir les valeurs, le changement minime de la température, des vitesses, de la fraction massique, etc. Ma forme? Pour cela, la discrétisation des équations dans un domaine de calcul nous permet de présenter des nœuds de calcul, tels que les valeurs de paramètres physiques sont données dans ces nœuds de calcul. Et la solution... Et la solution obtenue serait une solution discrète. Notre domaine de calcul est discrétisé entre M, on dit M, N, c'est M fois N, nœud de calcul. La distance entre des nœuds, on l'appelle un pas. Si c'est X et Y, c'est delta X. Si c'est Y, on l'appelle delta Y. Si c'est Z, on l'appelle delta Z. Si c'est le temps, on l'appelle delta T. Ma forme? Voici la discrétisation ici. Voici, ça c'est delta X. Voici, c'est delta Y. Donc, c'est 0 à I max, 0 à J max. Donc, si posons 3 points, J moins 1, J, J plus 1, 3 points, J max. 3 points, I moins 1, I, I plus 1, 3 points, I max. Donc, le point ici, c'est le point... M au T, I, Z, à seconde température, c'était T, I, J. Le point avant, c'était I moins 1, J. Après, T, I plus 1, J. En bas, T, I, J moins 1. En haut, T, I, J moins, plus 1. À quoi t'égale celle-là? Qui peut me dire? Ayeha. Aide. Ça. C'était quoi? فهمت قصدك اياها يعني ايجال اكوا بي بشو شو جي اكوا تيجال سلا جي موان يعني اي موان ان جي موان برافو دونك سا سي اي موان زان جي موان زان بس فوالا سا سي اي اي بلس ان جي بلس ان اي بلس ان جي موان زان فوالا دكتور اي شو اي لو بوان دغري اللي حدو اللي هو ديجا بالصوره اوكي محطوط كوردوني تبعه اي جي موان 1 ايه نعم كثرنا هون يعني سويفون ايغريك الاي سي سي بور لو اكس جي سي بور لو ايغريك اوكي دونك ici سي regardez c'est l'axe l'axe ça c'est l'axe de y j moins 1 ça c'est l'axe de x ça l'axe de x c'est i ici c'est i ça c'est j moins 1 donc ah. c'était j moins 1 Okay. Alors, en haut, ici, c'est I, J. Donc, c'était I, J. Ici, c'est I moins 1. I moins 1. J moins 1. I moins 1, J. Et ici, I moins 1, J plus 1. I moins 1, J plus 1. Ma forme? Oui. Voilà. Donc, comme ça, je peux approximer T, I, J à ce qu'on appelle T, T, J, T, N, delta X, ou T, I, delta X, I, zeta. T, I, delta X, T, X, J, T, X, Y. C'est T, I, delta X, J, delta Y. T, X, Y, c'est T, I, delta X, J, delta Y.
ليش؟ لأنه x هي بتساوي x0 هنا x يقال x0 plus e delta x x0 يقال 0 إذا هون سي 0 x0 يقال 0 دونك سي e delta x فرأي y يقال y0 plus g delta y فور y يقال 0 يطلع g delta y t يقال t0 plus n delta t فور t يقال 0 هنا n delta t سلمو مفهوم؟ Oui. Donc, pour le temps, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit T, I delta X, J delta Y, N ou K, K delta T. Ou N delta T, il le dit. Ce sont des indices. Donc, on a trois dimensions, X, Y, Z. X, Y, temps. X, Y, temps. Ma forme? Parfois, on l'écrit comme ça, T, I, J, K. T, J à l'absence K ou à l'absence N. Alors, parfois, je le mets N. OK. T, I, J, N. Donc, ça, c'est pour X, ça, c'est pour Y, ça, c'est pour le temps. Mais parfois, si on a seulement X et temps, j'écris quoi? T, J, N. J pour les X. Je le... Il y a I, il y a J, I, Z pour les X. OK. Peu importe. Bon. دكتور إذا فيك تعمل accept لعوداي bon on est maintenant 9 on est 8 bon voilà donc je passe maintenant à ce qu'on appelle les différences finies finite difference donc nous avons trois trucs pour la différence finie on a différence finie ou bien discrétisation à droite, on a discrétisation pour le temps à droite, discrétisation à gauche et discrétisation centrée. Donc, on va savoir maintenant quand on peut utiliser ces discrétisations à droite, à gauche et centrée. Ma forme? Oui, oui. Bah, avant tout, je vous ai dit, Anna, le NO, X... XI, c'est I delta X, lorsque X0 égale 0. YJ, c'est J delta Y, lorsque Y0 égale 0. Ou TN, c'est N delta T, lorsque T0 égale 0. OK? Donc, delta T, c'est le pas du temps, delta X, c'est le pas de X, delta Y, c'est le pas de Y. Pour Y max, c'est quoi? C'est J max. X delta Y, X max, c'est I max delta X, T max, c'est N max delta T. OK? Nous, Heidi Hon, I max, Heidi, J max, ou Heidi, l'axe du temps joué, axe perpendiculaire, qu'on a à l'X ou l'Y, qui a deux plans parallèles à ce plan-là. Le plan du temps, ce sont deux plans parallèles à ce plan-là. Ça, on l'appelle le plan à T égale 0. T égale T0. OK? T égale T0, ce plan-là. T supérieur à T0, ce sont deux plans parallèles à celui-là. Ma forme? Oui. Bon. Monsieur le docteur? Donc, pour... Hey. Ça, nous avons trois dimensions de chi maïen. Par exemple, nous travaillons avec le cube. Nous avons fait l'étude de la cube. Il y a X, Y, Z, trois dimensions. Si tu vas ajouter le temps, on aura okay. Quatre dimensions. Écoute, sacre le micro, basse, please. OK. Donc, trois dimensions, c'est X, Y, Z, le cube. Mais si tu vas prendre le temps, donc régime transitoire, tu auras quatre dimensions. X, Y, Z et le temps. Hein? OK. Bien, al-hal ekib naktaba. T, I, J, K, N. Dans quatre dimensions. I pour l'axe des X, J pour l'axe de Y, K pour l'axe de Z, N pour le temps. Ma forme? OK. N pour le temps. Bon. Donc, regardez. Maintenant, le temps, comment il est le temps? Le temps, c'est un temps qui monte.
qui monte, qui évolue. Donc, comment on les discrétise de rang de T sur de rang de petit T, j'ai utilisé la dimensionnelle telle que nos discrétisations, si je parle de la dimensionnalisation, on a aimé la dimensionnalisation. Si on a de la dimensionnalisation, on a bien servi de rang de T sur de petit T. Texte à mal d'étoile, peu importe. Ma forme. Donc, regardez, la variation de la température, c'est la variation du temps. La variation de la température, comme c'est la variation par rapport au temps, c'est l'indice du temps qui évolue. Donc, T, N plus 1 moins N. Et c'est une évolution vers la droite, vers le haut. Et IJ, ça reste pareil. IJ ici, IJ ici. Donc, Awal, TN, IJ. Donc, pour le temps, on obtient TN plus 1 IJ moins TN IJ sur delta T. Reftokiv, donc c'est la formule de la différenciation, vient de la dérivée. C'est la formule de la dérivée. OK? Donc, pour le temps, c'est toujours vers le haut. Toujours N plus 1. Sauf, alors, avec l'équation d'une onde, on aura moins 1. Parce qu'il y a deux initialisations pour le temps. On va le voir tout à l'heure. La prochaine fois, on va le voir. Le truc d'une onde. OK? L'équation de l'onde, non. Supposons que le champ magnétique avec l'onde électromagnétique et tout cela, donc on sera capable de programmer ce genre de truc. OK? Donc, en discrétisation à droite pour le X, de rang de T sur rang de X, c'est T. Ici, c'est N. Ici, c'est N. I plus 1 J, donc c'est par rapport à X, c'est I plus 1 J, moins T I J sur delta X. Donc, c'est l'indice de X qui évolue vers la droite. Donc, I va tirer vers la droite, I plus 1. Ma forme? Je vais vous citer les formules. Pour vous citer les formules, comment on le fait. Discrétisation à gauche, de rang de T sur de rang de X. Donc, par rapport à X à gauche, je passe de I à I moins 1. Ici, c'est N, N. Donc, en TN, IJ moins TN, I moins 1, J, donc vers la gauche, sur delta X. Ma forme? Discrétisation centrée. Centrée, c'est entre les deux. Regardez. Discrétisation à gauche, un ahon. Alors, il y a un ahon. À gauche, donc, je suis allé ici, TI plus 1, J, moins TIJ sur, ici, c'est quoi? C'est delta X. Chef, toi, TI plus 1, J, moins TIJ sur delta X. Ça, c'est vers la droite. Vers la gauche, c'est TIJ moins TI moins 1, J sur delta X. Centré maintenant. Centré, c'est TI plus 1J moins TI moins 1J sur combien, Ouloulé? Combien de pas? 2. 2 delta X. Donc, il y a 2 delta X ici. 2 delta X. Donc, ça, c'est centré. Je suis centré. Il y a une règle de notre, je l'ai éliminé. Mais quand on a le rythme, on va faire une discrétisation centrée. Il y a une, je ne m'intéresse pas à IJ. Je m'intéresse seulement à I plus 1J, à I moins 1J. Yani, je ne sais pas si je suis en train de faire. Je suis en train de faire I plus 1 ou I moins 1. OK? Je suis en train de faire IJ. C'est comme ça que la discrétisation centrée. Et bien, je suis en train de faire discrétisation à droite. Regardez. Si je suis là, je suis là. Je suis de 0. انا هون هيدا 0 3 بوان اي موينز ان اي اي بلس 1 3 بوان اي ماكس انا على اي على اكس ايجال 0 يعني اي ايجال 0 اذا انا بدي اعمل ديسكريتيزاسيون كي بعمل هيدي 0 وهيدي 1 شو بيعمل غوش يا مدروات قولوا لي من الزيرو بدك تبلش بدنا نبلش دروات
بدي بلش دلوقتي برافو لانه ما فيني اقول له تي 0 جي ان موان تي موان 1 0 موان تي موان 1 جي ان ما موان 1 وين بتصير اور دو دومين اور دو دومين هيك بدي استعمل ديسكريتيزاسيون ا دروات اقول له تي 0 تي 1 جي ان موان تي 0 جي ان اوكي T1 moins T0, T1 moins T0, T1 moins T0, sur delta X. Donc, c'est une discrétisation à droite que je veux apprendre. Ma forme, la canhomme, ma pinière, j'ai arrière, c'est hors du domaine. Hon, Zana, Alimax, Alimax, Hon. Zana, Alimax. Aïe, discrétisation, me dit Stamel, Hon. Droite, y'a ma gauche. L'Imax gauche. Gauche. Nous avons stamé droite, plus c'est Imax plus 1. Imax plus 1, c'est out of domain. Out of domain, hors du domaine. Donc, je dois utiliser TIMAX JN moins TIMAX moins 1. TIMAX moins TIMAX moins 1. Moins TIMAX moins 1, et ainsi de suite. Donc, je dois utiliser la discrétisation à gauche. Mais si je suis au centre du domaine, un centre de domaine où la variation est faible. Donc, j'utilise la discrétisation centrée. Ti plus 1j moins ti moins 1j sur 2 delta x. Je peux utiliser aussi ti plus 2j moins ti moins 2j sur 4 delta x. Comme ça, j'élimine 3 points. Ma forme? Oui. D'accord. Et maintenant, c'est une discrétisation centrée. Si je ne m'intéresse pas, si la variation de la température, par exemple, vient des vitesses ou la fraction massique, sont faibles. Si les variations sont faibles, il y en a un moment, 290 température, 350. La 350. Pas de 350, ça entre 350, quelle note 350,1. 350,1, 350,2, 350,3. Je peux utiliser la discrétisation à droite et à gauche, etc. Je ne peux pas utiliser la discrétisation centrée parce qu'il y a une grande variation. Mais comme je suis arrivé à une petite variation, une faible variation, je peux sauter pas un point. Et nous avons 300. 350.1, 350.2, 350.3. Donc, je peux sauter 3.3, 4.4. Pourquoi? Non. Ma finisie d'adat le point, l'ordinateur tabari ma bihamoul. Et ça, on a bedi khafif belle discrétisation. L'ordinateur ma yamel le point tiré, ou il sirfie le memory tetab tabao, ou sir bedi intel mel l'ordinateur normal à mainframe, yama serveur kbir, la amel solution la chouette tabao. Ma forme? Oui. Bon. Autre chose que je veux énoncer ici, c'est s'il y a une grande variation, il y a une grande résistance. Vous voyez la peau, ma peau ici, il est là, ma peau. Donc, je dois parfois, parce qu'il y a une résistance, il y a un gradient de température qui est comme ça. Je dois effectuer une discrétisation serrée. En discrétisation serrée. Finer skimming. Finer skimming. Observez un jour. Arda. Arda. Akhtar. Wassa. 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 Comme ça. Alors. En, il est serré. Moins serré. Large. Discrétisation. Yanni, jour, yanni. Yanni, ala, hon. Béal marhal, l'aulani, hon. J'ai besoin des milliers de points. Ici, j'ai besoin de centaines de points. Ici, j'ai besoin de dizaines de points parce que ici, la variation est faible. Et ici, moi, plus évolué. Ici, c'est une grande variation. Quand il y a une grande variation, il faut faire une discrétisation non uniforme. Non uniforme, serrée. Yani. Matrah serrée, matrah finer. Skimming, matra fine skimming, finest, finer, fine skimming, or wide skimming. Ma forme? Hey, que tu as mis la discrétisation, comme ça, là, tu vois, Heidi,
وين في عنا gradient de température, la disquetisation doit être non uniforme, serrée à l'interface. OK? Est-ce que c'est compris? Oui, oui. Bon. Donc, on va passer maintenant à la discrétisation. Bon. Là, maintenant, on a une discrétisation de RJA à Zoom. Zoom, loss, stop, whiteboard. OK. Je vois maintenant. De T, c'est de 2X. Donc, c'est quoi? C'est T, N. Mimbeliala. La discrétisation, chou, centré, à droite, à gauche. À droite. À droite. I plus 1, J. I plus 1, J. Moins T, I, J. I, J. Sur delta X. Donc, si on a de rang de T sur rang de Y, TN, Mimbelli. I, J plus 1. IJ plus 1, bravo. Moins T, IJ. Sur delta Y. Donc, rang de temps sur rang de petit temps. T. Imbéliala. T. TN plus 1, IJ. N plus 1, IJ. Moins TN, IJ. IJ. Sur delta. Sur delta. Maintenant, si je veux faire de rang carré de T sur le rang de X carré. Donc, c'est quoi? C'est de rang sur le rang de X, de rang de temps sur le rang de X. Ah ouais, discrétisation, je suis dit à droite. Donc, c'est comme si je fais de rang sur le rang de X, de T, N, I plus 1, J, moins T, N. IJ sur delta X. Mazbout, je remplace ça par sa valeur. Oui. Alors, maintenant, on a un bête qu'on a dit I plus 2 ou I plus 2 ou bien I moins 2. Maintenant, et qu'on fait un des deux, truc, c'est dire parce que là, je saute beaucoup plus de nœuds, comme ça, je complique mon travail. Donc, maximum I plus 1, I moins 1. OK? Donc, à la discrétisation qui est à droite. Deuxième discrétisation, je vais vous dire. Bit là, deux rangs. TN, I plus 1, J. Moins deux rangs. TN, IJ. Sur D2X, D2X, delta X carré. Mazbout? Ma forme là, là? Batcom Maï? Oui, oui, mon fond. Oui, docteur. Bon. Maintenant, je dois maintenant discrétiser. Ça, c'est à droite. Je dois discrétiser ça à gauche. Et discrétiser ça à gauche. Donc, TN I plus 1J, je vais tirer à gauche. TN I plus 1J moins TN IJ. Mazbout? Virja, discrétisation de la TN IJ à gauche. Je vais te la TN IJ moins TN I moins 1J. Tn i plus 1 j moins tn i j هيدي اول وحده moins delta x carré moins quoi tn i j كانت moins moins plus بتطلع tn i moins 1 j donc on obtient quoi Tn i plus 1 j moins 2 tn i j plus tn i moins 1 j sur delta x carré.
Maintenant, c'est une formule. Les deux rangs carrés de t sur deux rangs de x carré, c'est tni plus 1j moins 2 tnij plus tni moins 1j sur delta x carré. C'est une formule. OK? Donc, pareil. Deux rangs carrés de t sur rang de y carré, c'est une formule mi-belle lié tn i. J, là, j plus 1 j plus 1 moins 2 tj tn ij plus tn ij moins 1 j moins 1 le tout sur delta y carré. Pareil, de rang carré de t sur rang de ton t au carré. C'est tn plus 1 ij moins 2 tn ij plus tn moins 1 ij sur delta t carré. Chef-toi, ça, cette équation, on va l'utiliser dans l'équation d'une onde où il y a tn tant n plus 1 tant n moins 1. OK? Oui. Bon. Comme ça, je vous ai donné l'équation de second ordre. Maintenant, je peux appliquer maintenant la méthode explicite aux différences finies. Dans cette méthode, on va faire un schéma de discrétisation, une application sur l'équation de chaleur unidirectionnelle. Sur une équation d'une onde à deux dimensions, on va effectuer une étude de stabilité et une erreur de discrétisation. Je vais vous donner l'organigramme et le programme de résolution. Ma forme? Voilà. Oui, oui. Lyon, bah, puis qu'on équation de chaleur. OK. Équation de chaleur, Heidi, à la chouchoufinante unidirectionnelle. Ou bien des choufines articles en application, pas d'article. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Parce qu'on a bien avancé. Oui. Hein? On a bien avancé et je n'aime pas être rapide. Hein? Parce que ça, c'est délicat. Oui. Surtout que c'est nouveau pour vous. Comme ça, vous comprenez maintenant, avec cette application, vous comprenez comment peut-on trouver une solution pour une équation. N'importe quelle équation. La tala. Mais l'équation chou amnestamel de rang de t sur rang de petit t égale alpha de rang carré de t sur rang de x carré. C'est une équation de quoi? Équation de quoi celle-là? C'est la queue. Alors. C'est l'équation de quoi? Regardez, c'est le mot de vacciner. C'est l'équation de transfert de chaleur. Voilà où joue l'équation de chaleur, mais en milieu transitoire, donc il y a le temps. Donc ça, c'est le terme d'accumulation. Ça, c'est le terme d'advection ou bien de terme de diffusivité thermique ou bien de la conductivité thermique, c'est pareil. Tout ce qui est advection ont été éliminés. Tout ce qui est convection, rayonnement, métabolisme, chaleur de métabolisme, perfusion du sang, le laser extérieur, diffusion massique, pression, réaction chimique, supersonique, tenseur de cisaillement ionné, ont été éliminés. C'est l'équation de chaleur le plus simple possible. Ma forme? Oui, oui. On peut dire que la méthode est dite explicite lorsqu'on exprime Tn plus 1 Ij en fonction de Tn Ij. Il y a une discrétisation. Je dois exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn. Tel que l'inconnu, c'est quoi? C'est le Tn plus 1, l'inconnu. Ma forme? Oui. Méthode explicite Tn plus 1 en fonction de Tn. Méthode implicite Tn plus 1 en fonction de Tn plus 1. لكن هي الاكسبليسيت تي ان بلس 1 ان فونكسيون دو تي ان شو يعني؟ يعني انا لما كان يطلع على الدرج ما فيني اطلع على الدرج الثاني اذا ما طلعت على الدرج اعرف حط اجري على الدرج الاولي بيصير فيني اطلع على الدرج الثاني من الثاني فيني اطلع على الثالثه وان سي دي سويت هيدي الميثود اكسبليسيت بس
en connaissant les conditions initiales, il y a Awal Darje. En connaissant ces conditions initiales, je peux ainsi déterminer, et si ces conditions initiales sont justes, je peux ainsi déterminer les valeurs finaux, valeurs finales, justes. Ma forme? Oui, oui. Allez. Je vais vous donner une application pour bien comprendre de quoi il s'agit. Résoudre numériquement l'équation de chaleur unidirectionnelle transitoire simplifiée en utilisant la méthode explicite aux différences finies. On vous donne de rang de t sur rang de petit t égal voilà. On vous donne rang de t sur rang de petit t égale alpha de rang carré de t sur rang de x carré. Donc, c'est unidirectionnel. Donc, on a l'axe de x et l'axe du temps. Tel que les conditions initiales, c'est quoi les conditions initiales? C'était j, on a se mettre l'indice tabal xj. Fait qu'on s'en moi i en tomaham. Tj0 égale t0. Ça, c'est les conditions initiales. À ma condition aux limites, t0n égale T1 ou TAN, A c'est la limite, yani. TL ou A c'est une barre donnée, donc elle a une limite donnée. TAN égale T0. Ma forme, comment peut-on résoudre cette équation?